Bonjour. François Mélan, Mélan Finance. Alors, j'aimerais rebondir sur un point. Permettez-moi de vous demander votre domicile, Monsieur Mélan, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse. François Mélan, Mélan Finance, Lausanne. Merci. J'aimerais venir sur un point qui me semble très important. C'est l'image de marque, en fait. L'image de marque de notre Banque nationale et de ses placements. Et c'est vrai que c'est désagréable pour nous, les actionnaires, de voir ponctuellement les journaux annoncer que la Banque nationale suisse soutient certains secteurs à risque, notamment considérés par beaucoup d'institutions de prévoyance comme des secteurs à exclure. Alors, j'aimerais rebondir sur le point de Marc Studer tout à l'heure, qui était très intéressant, sur le soutien notamment par les placements de la Banque nationale suisse à l'industrie de l'armement. Donc, on ne va pas venir sur ce qui est conventionnel et ce qui est prohibé comme armement. Je pense qu'on parle des mines antipersonnelles. Je suis moi-même officier supérieur au sein de notre armée et je suis très attaché à notre capacité de défense. Par contre, j'ai une question pour M. Jordan. Est-ce que notre portefeuille titre, puisque c'est le nôtre, puisqu'on est tous actionnaires, on est propriétaires de la Banque nationale suisse, est-ce que notre portefeuille titre contient des titres en euros de la société Dassault Systèmes qui fabrique le Rafale, chasseur-bombardier avec lequel l'Arabie saoudite massacre des populations civiles au Yémen? En tant qu'actionnaire, je pense qu'on ne peut pas soutenir ça. L'autre question, est-ce que notre portefeuille actions dollars a des titres d'une société américaine qui est d'ailleurs florissante, qui est Lockheed Martin, qui fabrique le bombardier, donc le chasseur-bombardier furtif F-35, avec lequel on va aisément, allègrement bombarder une partie du Moyen-Orient? Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire si dans les portefeuilles, on a ces deux titres, Dassault Systèmes et Lockheed Martin? Merci. Thank you.